Salut chérie. Je voulais juste te faire un petit coucou et te dire que je t'aime. Oh, bonne nouvelle. Je vais bientôt rentrer à la maison. Oui. Oh. J'ai hâte de rentrer, de finir ce travail de babysitting et de retrouver mon mari adoré. Tu me manques. Oh, faut que je retourne travailler. Je t'aime, Ethan. Tu me manques tellement. Je t'embrasse très très fort. À très vite. Ethan, tu avais raison. Je t'ai menti. Je n'aurais pas dû, mais... Tout ce que je peux dire, c'est que si tu as ceci, reste à l'écart. Allô? Salut, c'est Ethan. Ouais, ouais, je sais, ça va, ça va. C'est Mia. Elle est pas morte, elle est vivante. Elle est de retour. On l'a retrouvée? Que comment? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, écoute. Je sais pas comment, mais elle est revenue d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être des conneries, mais... Elle veut que je vienne la chercher. Elle est où? Delvy. Delvy en Louisiane. Je sais, mais si c'était bien elle, je vais en avoir le cœur net. Personne.
Blue. Où t'as trouvé ce type? Lâche-moi un peu, Pete. Hé, je bosse qu'avec des professionnels. D'ailleurs, arrange-toi pour que le son soit correct cette fois-ci. Je veux pas un remake d'Amarillo. Mec, c'était il y a 2 ans. Je me tape pas le doublage. Le nouveau, là, je le sens pas. Encore? Alors, sois pas étonné si on doit le virer. Nouveau plan. D'abord, on fait un tour à l'intérieur, et ensuite, on tourne l'intro. Comme d'habitude, quoi. Et n'oublie pas de dire le nom de l'émission, cette fois, hein? T'inquiète. Ce soir, dans Sewer Gators, un autre trou paumé sans intérêt. Ça te va? Fantastique. Est-ce qu'on tourne? Ok, on y va. Laisse-moi faire. C'est bloqué. Après toi. Alors, c'est quoi l'histoire aujourd'hui? Tu te prépares jamais. Préparer quoi? Une baraque pourrie, des bruits étranges? Oh, elle est hantée? Quelle merde! J'étais présentateur, moi! Remplaçant le week-end, Pete. Seulement remplaçant. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. C'est quoi l'histoire, André? Une ferme abandonnée, une famille disparue dans des circonstances suspectes. La routine. Tu dis que ça fait combien de temps que la maison est abandonnée? 3 ans. Hé, hey, Clancy, filme un peu ça. Ça peut faire un bon plan de coupe. Donc, une famille de pecnos disparaît et... Pas des pecnos, les Baker. Jack et Marguerite Baker. Une famille normale, plutôt paisible. Il y a pas mal de rumeurs sur leur fils, Lucas. Lui a mal tourné, apparemment. Merde! Je savais que j'aurais pas dû mettre mes chaussures neuves. Oh, putain. Heureusement que j'ai fait mes vaccins. Mais bon... Ça pourra nous faire un super décor. André, qu'est-ce que t'en dis? André? 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 Fancy, tu sais où est passé André? Il est où? Putain, j'y crois pas! C'est la dernière fois que je bosse avec ce mec! Tu sais, les producteurs, ça va, ça vient, mais... Un bon caméraman comme toi, Clancy... Reste près de moi. C'était quoi ce truc? T'as entendu? André? Il est où, putain? André, t'es passé où? C'est quoi ce bordel? C'est pas possible, je rêve. Ok, changement de programme. On trouve André et on se tire. Tant pis pour l'émission. Passe devant. Je veux un plan de moi en train de descendre l'échelle. Donc, passe devant. Tu vois quelque chose? Y'a quoi en bas?
Oh mon Dieu. Okay.